Salut à tous, c'est l'Esprit Bad et aujourd'hui l'Esprit Bad on l'a au collège. Et oui, en effet, le bad c'est le sport de raquette le plus pratiqué en scolaire. Alors on y va, c'est parti. Jean-Michel, on est où ici? Qu'est-ce que c'est que cette salle? C'est le complexe sportif Jean Bulhante, c'est le gymnase du collège. Là, c'est la section sportive badminton et tous ces enfants là sont inscrits à l'UNSS. On en fait tous en cours de PS au premier trimestre et tous ceux qui ont envie d'essayer viennent le mercredi après-midi. C'est un sport de raquette où il y a un rendement physique immédiat. Quand le volant tombe, on peut le prendre et jouer immédiatement. Oui, c'est ça, il n'y a pas besoin d'aller courir de l'autre côté du terrain pour aller chercher une balle. Voilà. Et on s'est rendu compte que sur un terrain, on pouvait mettre 4 élèves. Quand on a 7 terrains, on met 28 élèves. Donc tu es en train de me dire que c'est le sport le plus parfait pour un prof de physique, comme ça il a toute sa classe qui est occupée. Exactement. Moi, j'ai entendu parler de l'AS Badminton au collège, en 6e. Et je me suis inscrite pour voir ce que ça donnait et ça m'a plu, du coup je suis restée. D'accord, t'en avais jamais fait avant? Non. C'est Jean-Michel qui est venu dans ma classe de CM2 qui m'a dit il y a une classe bad, est-ce que vous voulez la faire? J'ai dit oui, et puis j'ai enchaîné par le club après. Et aujourd'hui, ouais, je passe le diplôme d'entraîneur cette année. Alors là, on rentre où là? On est où là? Dans la salle des professeurs. Alors voilà. Notre premier titre de champion de France à Limoges. Alors ça, c'est notre plus grande fierté. C'est la participation au championnat du monde. On commence le badminton à l'UNSS, on va vers le club. Au club, on est pris en charge par des entraîneurs. Et puis, il y a un cercle vertueux qui se crée. Delphine Delrue. Par exemple? Fabien Delrue, son petit frère. Ça vient de chez vous, ça? Oui. C'est à la fois une valorisation pour le collège, mais pour les élèves eux-mêmes, en tant qu'individus, en tant que futurs citoyens. Vous avez fait une note en plus? Oui. Et alors, elle est bonne, la note? Elle est combien? J'ai eu 20. Quoi? Voilà, on en sait plus sur l'esprit bad au collège. Alors si vous aussi, vous avez l'esprit bad, n'hésitez pas à le partager avec nous. Salut! Bon bah moi, je vais aller réviser mes maths, hein, parce que c'est demain quand même. Hein. Non, c'est tout de suite le contrôle. Allez, boulette.